dans un circuit électrique, deux résistances peuvent être associées en parallèle comme ceci, ce qui signifie que si on coupe le courant pour une des résistances, le courant peut quand même passer par l'autre résistance. Dans le cas d'une telle association en parallèle, nous avons ces trois formules-là. La tension électrique reste partout la même. La résistance totale du circuit se calcule comme ceci au moyen des résistances partielles. Et l'intensité totale du courant se calcule comme somme des intensités de courant partielles. On peut aussi associer des résistances comme ceci en série, ce qui signifie que si on coupe le courant pour une des résistances, il est automatiquement coupé pour l'autre résistance. Dans une telle association en série, nous avons ces trois formules-là. La tension totale du circuit se calcule comme somme des tensions partielles. La résistance totale du circuit se calcule comme somme des résistances partielles. Et l'intensité du courant est la même partout. Ces six formules s'appellent les lois de Kirchhoff. Tous les appareils électroménagers comme les lampes, les plaques chauffantes, la machine à laver, etc. sont associés en parallèle et sont tous soumis à la tension de 230 volts. Si un circuit est interrompu, les autres appareils continuent à fonctionner.